viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, ô nous humides. Psaume 118, strophe 11. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière resplendit, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. J'espère en
ta parole. Jésus, pour les yeux, pour ta promesse. Comment as-tu consolé, rendu pareil à une autre qu'on enfume? Je n'oublie pas tes volontés. Combien me creuse des fosses à l'encontre de ta loi. Vérifiez tous les ordres de ta loi. Quand le mensonge me persécute, on viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière resplendit, alléluia. Psaume 10. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est mort source de vie. Alléluia. À la corde pour briser dans l'ombre et droit. Si la race sanguinée que le juste, le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône, ses yeux vont tremper. Il déteste l'ami de la violence. Il est le voir sur les impies que les souffrent. Et en leur couvrant de flammes pour le pas. Bien juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi le Fils des hommes.
Seigneur, retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases, cela divise la langue et l'autre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître, devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, que nous prenons en ta garde, tu nous protèges contre ces vengeances à jamais. Toi, de toutes parts, rôde les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir les puissants. Il a fait surgir une parole. En arrière, je n'ai pas reculé. J'ai tendu le doigt qui me frappa, le joug qui me rachait la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. Rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui m'a justifié, qui m'intentera un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire. Parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres sans que la lumière lui apparaisse, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Du pape François, Pâques, notre force. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cela, c'est l'action de l'Esprit-Saint.
Il nous apporte la nouveauté de Dieu. Il vient à nous et fait toutes choses nouvelles. Il nous change. Voyez, la nouveauté de Dieu ne ressemble pas aux nouveautés mondaines, qui sont toutes provisoires. Elles passent et on en recherche toujours plus. La nouveauté que Dieu donne à notre vie est définitive, et pas seulement dans l'avenir, quand nous serons avec lui, mais aussi aujourd'hui. Dieu est en train de tout faire nouveau. L'Esprit Saint nous transforme vraiment et veut transformer, à travers nous aussi, le monde dans lequel nous vivons. Ouvrons la porte à l'Esprit. Laissons-nous guider par lui. Laissons l'action continue de Dieu faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, animés par l'amour de Dieu que l'Esprit Saint nous donne. Le chemin de l'Église, de même que notre chemin chrétien personnel, ne sont pas toujours faciles. Ils rencontrent la difficulté, l'épreuve. Mais les difficultés, les épreuves, font partie de la route pour parvenir à la gloire de Dieu, comme pour Jésus qui a été glorifié sur la croix. Nous les rencontrerons toujours dans la vie. Ne pas se décourager. Nous avons la force de l'Esprit Saint pour vaincre ces épreuves. Demeurons solides sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin. Lui nous donne le courage d'aller à contre-courant. Cela fait du bien au cœur, mais il nous faut du courage pour aller à contre-courant et lui donne, et lui nous donne ce courage. Il n'y a pas de difficultés, d'épreuves, d'incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne. Si nous ne perdons pas l'amitié avec lui, si nous lui faisons toujours plus de place dans notre vie, ceci aussi, et surtout si nous nous sentons pauvres, faibles, pécheurs, parce que Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à notre pauvreté, conversion et pardon à notre péché. Ayons confiance dans l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il nous fera sentir la joie d'être ses disciples, ses témoins. Thank you.
Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, alléluia. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà en quelques mots ce qui pourrait résumer la vie et l'engagement ecclésial de l'évêque Athanase. Si l'Église le rappelle à notre mémoire en ce jour, c'est qu'elle reconnaît en lui tout à la fois un docteur, un pasteur et un témoin du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Docteur, Athanase le sera par ses enseignements et par son amour de la vérité. Pasteur, il le deviendra par son ministère épiscopal, service par lequel il apprendra pas à pas la vérité de l'amour. En lui, amour et vérité se rencontrent inlassablement et font de lui un témoin pour notre temps. Ardent défenseur du mystère de l'incarnation, Athanase n'a pas craint d'être écartelé jusque dans sa chair pour confesser par toute sa vie le Christ, vrai Dieu, vrai homme. Athanase nous apprend tout d'abord à aimer la vérité. Il fut le docteur de l'incarnation, car nul ne contribua davantage à la défaite de l'arianisme. Cet homme qui, dit-on, était petit de taille, prodigieusement intelligent et pétri de la culture grecque, n'était encore que diacre lorsqu'il commença à défendre avec vigueur la divinité du Christ. Lorsqu'il accompagna l'évêque d'Alexandrie au concile de Nicée en 325, il contribua fortement à la formulation des dogmes de l'incarnation et de la Trinité, ce qui lui valut la persécution des disciples d'Arius. Devenu lui-même évêque, les persécutions s'intensifièrent, de sorte que sur ses 45 années d'épiscopat, Athanase fut contraint d'en passer 17 en exil, 2 années à Trèves, 7 à Rome, et le reste dans les endroits retirés du désert d'Égypte, où il écrivit la vie d'Antoine. Par cet amour de la vérité, Athanase a connu l'exode. Exode extérieur, mais aussi exode intérieur, dans lequel il a dû apprendre à espérer contre toute espérance, en allant droit de l'avant, tenant les yeux fixés sur le Christ, le chef de sa foi. Qui donc, en effet, est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mais Athanase, évêque d'Alexandrie, avait également une âme de pasteur, et par là il nous conduit vers la vérité de l'amour. C'est avec cœur qu'il conduisait le peuple de Dieu qu'il affectionnait particulièrement. Cette charge l'exposait ouvertement aux hommes de pouvoir, séduits par l'arianisme,
mais par une charité sans feinte, il n'a jamais dévié, ne craignant pas d'être rejeté des hommes. Par cette vérité d'acte et de parole, Athanase est devenu un homme libre que les puissants n'ont pas pu enchaîner. Cet amour vrai et sans compromission l'a rendu libre de toute exclusive, et par là encore, il a vaincu l'esprit du monde selon l'affirmation de l'apôtre Jean. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Frères et sœurs, qui donc est libre à l'égard du monde? N'est-ce pas celui qui s'ouvre simplement et totalement, avec amour et vérité, au témoignage de Dieu en lui? Dès lors, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous, qui vit par nous. Chaque événement, chaque rencontre devient l'occasion d'une écoute, d'une attention, d'un discernement de la présence du Christ, un discernement de l'actualité de son œuvre dans nos vies, dans nos communautés, dans le monde. Ainsi, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Dans nos relations, tout peut être orienté vers Dieu. La véritable fraternité nous conduit progressivement au Père. La véritable amitié nous fait découvrir le visage du Christ. Le pardon communautaire nous conduit à demander l'Esprit au cœur de nos fragilités. L'incarnation du Verbe, si ardemment défendue par Athanase, n'est pas un dogme abstrait. Elle est une réalité présente, mais non encore achevée. Par grâce de Dieu, elle chemine vers son accomplissement en nous. Elle se prolonge par nos vies si nous ouvrons nos cœurs à sa présence. Elle se réalise par nos actes si nous ouvrons nos mains à son œuvre. Elle s'énonce par notre intelligence si nous relisons et annonçons en vérité les merveilles de Dieu dans nos vies. Que l'amour du Christ nous habite, afin que tout homme reconnaisse en lui le Fils de Dieu et que vienne le règne de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ploient sous le poids des dictatures, que la foi qui nous fait vaincre le monde pénètre et libère les cœurs. Seigneur, nous te prions pour les baptisés qui peinent à discerner l'amour de Dieu et l'obéissance aux commandements. Que l'Esprit de Jésus-Christ leur donne de vivre une vie droite et féconde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et sauve-nous.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore reçu le don de la foi. Que Jésus, Fils de Dieu, trouve chez les croyants des cœurs purs qui leur révèlent sa lumière. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et sauve-nous. Dieu Saint, Dieu fort, Alléluia, c'est immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Gaudete.